احنا شوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا فاتتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Il y a 27 ans, l'Algérie perdait l'un des hommes les plus intègres, l'un des piliers de la Révolution, et un homme de principe. Mohamed Boudziaf fut un bateau de sauvetage venu secourir un peuple qui se noyait. Abattu à Annaba alors qu'il prononçait son dernier discours, Mohamed Boudziaf n'a même pas eu le temps de finir. Les lâches commanditaires de ce crime ne l'ont pas laissé mener à terme sa dernière mission, qui consistait en l'élimination de la mafia, ainsi que la neutralisation des intégristes, et la démocratisation du système. En gros, Mohamed Boudziaf voulait sauvegarder l'Algérie. Son sacrifice pour ce pays est légendaire, que ce soit avant ou après l'indépendance. L'Algérie vit une situation très difficile, et je crois que c'est cet élément qui m'a poussé à revenir. J'étais réticent, mais j'ai senti qu'il était de mon devoir de retourner dans ce pays pour essayer d'apporter ma contribution et aider à ce que ce pays s'en sorte et le plus rapidement possible de la crise qu'il vit. À cette époque, l'Algérie fut-elle un navire qui se noyait dans un bain de sang? Comme dit l'adage, loin des yeux, près du cœur. C'était le cas pour Mohamed Boudziaf. Malgré son éloignement, l'Algérie fut à jamais dans son cœur. Il n'a pas hésité à revenir en dépit du danger qui pesait sur sa personne. 28 ans après son exil au Maroc, l'ancien coordinateur national du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 revient à Alger le 16 janvier 1992 en tant que président de l'État. Un retour qui ravit tout un peuple, mais qui contrarie ses adversaires politiques. Dès son premier discours, son but fut clair. Boudziaf voulait rassembler les Algériens. Ce que je puis dire, c'est qu'il y a un changement en Algérie. Il y a un changement que je voudrais passer aux jeunes. Et mon but, c'est de faire que cette jeunesse algérienne, qui est la majorité, qui représente les moins de 30 ans, représente 70%, soit un élément actif dans la vie politique d'Algérie. Toutes ces jeunesses qu'on a mis de côté, ces jeunesses qui ont été marginalisées, et mon but, c'est de faire que cette jeunesse puisse s'organiser autour de ces difficultés et être un élément de dialogue et un contre-pouvoir. 27 ans après, les Algériens poursuivent leur combat contre les corrupteurs. Ils ont repris le flambeau de leurs ancêtres qui ont donné leur vie pour une Algérie libre et démocrate, une Algérie meilleure. 27 ans après cet horrible acte, les Algériens n'oublient pas le défunt Mohamed Boudziaf, de son nom de guerre Taïb El Ouattani. Ces cadres ont été mis sur la touche, ils ont été marginalisés. Il faut les trouver, il faut leur donner confiance. Il faut essayer de travailler avec eux. J'ai fait des réunions avec les jeunes, avec les femmes, avec les syndicats, avec les entreprises privées. Et je sens que dans ces gens-là, avec les universitaires, qu'il y a des bonnes volontés, qu'il faut faire rendre la confiance et l'espoir. Et dans cette Algérie, il y a tous les éléments pour se sortir de cette situation, du point de vue matériel comme du point de vue humain. Mais ça, c'est vrai. C'est dramatique ce que vit la jeunesse algérienne, parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, jusqu'en 80, jusqu'à cette époque, cette jeunesse, dans sa grande majorité, il a été mis de côté, il a été exclu. Je comprends sa révolte. Je comprends sa révolte. Ce que je voudrais dire à ces jeunes, que s'ils ont un avenir, c'est dans cette Algérie. De Aban à Boudiala, combien de crimes orchestrés? Crimes, Khidr. Nous sommes en 2019 et cet assassinat n'a toujours pas livré ses vérités. Des vérités que tout un peuple ainsi que les proches du défunt attendent depuis des années. 27 ans après ce lâche crime, la mort de Boudziaf demeure le secret le mieux gardé en Algérie. Adieu Boudziaf et paix à ton âme. Yeah.